Bonjour, vous êtes bien sur kezako.com et bienvenue dans votre troisième vidéo tutoriel concernant la programmation en langage C. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonction très très importante du langage, c'est la fonction scanf, qui nous permet de faire des lectures à partir du clavier. En fait, imaginons par exemple que nous voulons lire le nom d'un joueur dans un jeu que nous avons créé. Et bien tout simplement, la fonction scanf nous permettra de récupérer dans une variable ou dans autre chose la valeur de la valeur de ce qu'a écrit le joueur comme son nom par exemple. Donc nous allons commencer par illustrer le fonctionnement de cette fonction. Je vais déclarer une variable entière avec le nom lecture. Ce que je veux faire ici, c'est que je vais changer la valeur de lecture durant l'exécution du programme. Je vais mettre printf. Veuillez donner la valeur de la variable scanf %t. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons utilisé %t pour définir le format de la variable que nous voulons lire. %t, eh bien c'est pour les entiers, puisque ma variable est de type entier, eh bien j'ai utilisé %t. En fait, la syntaxe est pareille que printf à une différence près. J'ajoute un et commercial ici avant le nom de ma variable. Le et commercial veut dire que ce n'est pas la valeur de lecture que je veux manipuler, mais c'est la valeur, que je veux changer sa valeur. Je ne veux pas seulement afficher sa valeur ou bien l'utiliser simplement. Je veux changer la valeur de lecture. Et si je veux changer la valeur de lecture, eh bien j'ai besoin de son adresse dans la mémoire. Et pour accéder à l'adresse de lecture, eh bien j'ai besoin du et commercial, tout simplement. Voilà, ici je vais afficher la nouvelle valeur de lecture, printf, la nouvelle valeur de votre variable et %t. Lecture. Je compile. Voilà, sans problème, j'exécute. Mais la valeur de votre variable, je dirais 5 ici. Voilà, nouvelle valeur de votre variable est 5. Remarquez que je peux faire la même chose pour les réels, par exemple, si je mets float ici, float lecture, je n'ai qu'à changer le format, et puis ça marche normalement, comme pour les caractères d'ailleurs, ou pour tout autre type de variable. Je compile, j'exécute, donc 5.6, c'est 5.6. Voilà, c'était un petit clin d'œil sur le fonctionnement de la fonction scanf. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel sur kezako.com. Merci, à bientôt.